La triste nouvelle a été officialisée ce matin. Dans la nuit du 3 au 4 octobre, Michel Blanc est mort à l'âge de 72 ans, alors qu'il se trouvait à l'hôpital. Les proches du comédien ont confirmé le décès de l'artiste auprès de nos confrères de Paris Match. Michel Blanc s'était révélé en tant qu'acteur comique dans les années 70, au sein de la troupe du Splendide. Entouré de Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Marianne Chazelle ou encore Christian Clavier, il avait séduit le public au cinéma avec des films comme Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure ou Papy fait de la résistance. Au cours de sa carrière, Michel Blanc avait fait en sorte de diversifier ses rôles afin de ne pas se cantonner au registre comique. Cependant, convaincre les producteurs et les réalisateurs n'a pas été évident, tant le personnage de Jean-Claude Duss lui a collé à la peau suite au succès des Bronzés. Il était tellement typé qu'ils ont dû se dire « Mais si on le met dans un film, les gens vont dire « Ah tiens !» Il y a Jean-Claude Duss dans le film. Ça vous scie complètement. C'est la sélection au Festival de Cannes avec « Tenue de soirée » de Bertrand Blier qui m'ont sorti de là-dedans, avait-il raconté sur Europe 1 en octobre 2023. À force de travail et de persévérance, Michel Blanc étoffe sa filmographie au fil des années avec des longs-métrages comme « Embrasser qui vous voudrez » qu'il a réalisé, « Je vous trouve très beau », « Le deuxième souffle » ou encore « Les témoins ». En 2012, il remporte le César du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans l'exercice de l'État, où il interprétait le directeur de cabinet d'un ministre. En 2006, la troupe du Splendide fait son retour au cinéma pour le troisième volet des Bronzés, intitulé « Amis pour la vie ». Les retours de la presse et du public sont assez mitigés lors de la sortie du film réalisé par Patrice Lecomte. Les Bronzés 3 avaient malgré tout dépassé la barre des 10 millions d'entrées. Sur le plateau de C'est à vous, Michel Blanc avait livré sans filtre son sentiment sur ce projet. « C'est ce que j'ai fait de plus mauvais », avait-il lâché en février 2023. En octobre 2023, Michel Blanc s'était confié sur France Inter sur son intention de stopper sa carrière au théâtre. C'est-à-dire que quand on vit avec quelqu'un, si au moment où la personne rentre, nous on se barre. « Si ma compagne rentre du boulot à l'heure où je vais au théâtre », confiait-il en expliquant vouloir privilégier sa famille. «